De manière ultra courte, je laisse la parole à M. Camilleri avant que M. Perica ne conclue. Oui, merci Monsieur le maire. Monsieur Lefebvre-Naré, permettez-moi de vous dire qu'on a été plusieurs ici autour de cette table, si vous permettez l'expression, à vous trouver quand même un peu gonflé sur votre intervention. Vous essayez de nous mettre en défaut sur un engagement qu'on a pris effectivement dans notre programme de baisse des impôts, mais rassurez-vous, cet engagement il sera tenu. Mais vous nous dites que nous n'aurions pas pu prendre cet engagement de baisse des impôts en ne sachant pas la situation réelle de la ville. Soit dit en passant, ça veut dire que donc vous accréditez donc la gestion calamiteuse dont l'audit a fait un état assez complet tout à l'heure. Mais comment aurions-nous pu nous avoir cette information, sachant que le candidat pour lequel vous avez fait campagne et dans l'équipe duquel vous êtes aujourd'hui avait supprimé toutes les commissions préparatoires aux conseils municipaux, ne fournissait aucune information quand on la demandait, ou alors quand il la fournissait, il essayait de la noyer dans une tonne de papier complètement improbable, comme celle qu'on a reçue dernièrement, avec les 24 000 mandatements de paiement. Et surtout, comment aurait-on pu connaître la réalité budgétaire de cette ville, sachant que le budget 2014 n'avait même pas été voté ni engagé. Alors oui, effectivement, Monsieur Naré, effectivement, Monsieur... Non mais vous pouvez vous civrer autant que vous voulez. Je terminerai quand même. Terminé. Alors oui, effectivement, Monsieur Naré, on a découvert, et on l'assume, on a découvert, en arrivant il y a un mois, une situation catastrophique. Et cette situation, elle se caractérise quand même en un certain nombre de points que je voudrais juste ici résumer rapidement. Une insincérité budgétaire manifeste sur ce qui avait été voté et engagé en 2013, plus de 6 millions d'euros de dépassement de travaux engagés non financés, plus de 3 millions de dépassements sur le dérapage total des frais de personnel. On pensait arriver dans une ville à 250 millions de dettes, on dépasse les 300. On pensait arriver dans une ville à 75 millions de masse salariale, on est à près de 90. Et j'ai hâte d'ailleurs qu'on parle des fameuses titularisations qui ont eu lieu après seulement quelques semaines ou quelques mois de stage. J'ai hâte également qu'on parle des titularisations qui ont eu lieu entre l'entre-deux-tours, qui sont pour beaucoup, je pense, dans le dérapage de 3 millions d'euros hors budget de la masse salariale. D'ailleurs, soit dit en passant, les plus 16,5 millions d'euros de dérapage des frais de personnel, si on se posait la question de savoir comment Doucet obtenait ses voix, je pense que maintenant on a eu un élément de réponse. Bon. Donc juste, et d'ailleurs, et encore une fois, c'était juste pour essayer de résumer un peu ce qui avait été dit, mais tous ces dérapages-là, toute cette dette inattendue, ces frais de personnel, effectivement inattendus, cette capacité de désendettement de plus d'un siècle et demi, qui est un chiffre totalement improbable, là aussi également inattendu parce qu'il n'y avait juste aucun moyen de le savoir a priori, tout ceci, et comme l'a rappelé l'audit, a été financé par une folie fiscale totalement hors de contrôle, 26% pour la taxe d'habitation, 65% pour la taxe foncière, 450% pour la contribution des entreprises. Et comme l'audit l'a fort bien rappelé, l'essentiel de vos dérapages, c'est-à-dire 95% de vos dérapages, ont été financés par un accroissement de la fiscalité sur les argenteuillets. Donc quand on a un tel bilan, et quand on est pris en défaut d'informations si manifestes envers tous ceux que vous avez aujourd'hui face à vous, je pense que la moindre des choses, Monsieur Lefebvre-Naré, c'est de faire vraiment, vraiment profil bas. Merci.